Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Bellewaerde pour la conférence de presse de la nouvelle attraction et de la nouvelle zone 2024. Alors comme d'habitude, on vous emmène avec nous, on vous fait découvrir tout ça. C'est parti, générique. Bon, allons-y. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Bon les amis, on est arrivé au Texas Grill. Donc avant la présentation, on a un petit déj, tout ça. On est avec les copains, donc c'est plutôt sympa. Donc je vous invite tout de suite, avant de démarrer la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce. Ça nous aide à avancer. Ça y est les amis, on est parti pour visiter le chantier avec le beau casque Huracan. Allez, on vous fait la visite ensemble, c'est parti. Yeah.
nom de la nouvelle zone Munda Amazonia. Pourquoi Munda Amazonia? Il y a l'attraction de grande nouveauté où on est dans la station, où on est posé maintenant. Donc ici, les gens vont embarquer dans les bateaux. L'Amazonia, c'est un lien avec le grand fleuve, le grand rivière dans la zone Amazon en Sud-Amérique. Donc c'est le premier lien avec le monde. Le deuxième lien, Mundo, le monde autour Amazonia. Et en même temps, vous allez voir, déjà on est en train de planter des arbres magnifiques, des arbustes exotiques, magnifiques, endogènes aussi. Et donc en même temps, on essaie de simuler l'Amazonie de Sud-Amérique, qui va être fantastique, surtout dans les lignes d'attente, qui a une longueur de plus de 200 mètres, les lignes d'attente de cette attraction amazonienne. Donc, autour de l'attraction, aussi dans la zone, vous allez découvrir beaucoup d'arbres, beaucoup d'arbustes, une nature formidable. C'est un de trois piliers, attraction, animaux, nature, et donc on met vraiment l'accent là-dessus, et en plus, encore plus dans la vie. C'est pas que une très grande attraction, c'est pas que un primeur mondial. Donc on a aussi dans la zone, dans la Mundo Amazonia, on est en train d'ajouter deux attractions pour les enfants, un minibus, hein, un premier petit splash pour les petits enfants, et un petit coach, une montagne russe pour les petits enfants à partir de 80-95 cm, donc moins de 2. Donc, parce qu'on est un parc familial, donc s'il y a des enfants qui n'osent pas faire la grande nouveauté, on a des autres attractions enfants pour eux. Et à côté de ça, on a un nouveau plan resto, propre de takeaway avec une terrasse, un nouveau shop souvenir et un bloc sanitaire. Donc vraiment, une zone complètement nouveau à Bellemare. Et tout ça décoré avec des couleurs et décorations sud-américaines, brésiliennes, comme vous voyez déjà, comme vous avez vu déjà un peu dans la zone. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, tout ce qui est important. On est en train de planter les arbres, on va avoir une nature fantastique. Les attractions coûtent cher, bien sûr, mais aussi on a investi fortement dans la nature. On est en train de planter 130, 140 arbres, pas des arbres de 1 mètre, 2 mètres hauteur, non, des arbres avec une hauteur entre 5 et 18 mètres. Donc, pas des arbres de 100 euros ou 150 euros par pièce, des arbres entre 500 et 700 et demi 1000 euros. Donc, on investit vraiment dans la nature et c'est un pilier très important. En français, on va profiter parce que on a quand même pas mal de pluie pour l'instant. Donc ici, on est dans la station d'embarquement de l'attraction Amazonia. Donc des bateaux par 8 personnes, pour les enfants à partir de 1 mètre 20 cm. Donc des enfants à partir de 5-6 ans à peu près. On va avoir 14 bateaux pour une capacité totale près de presque 1000 visiteurs par heure. Donc c'est important d'avoir une grande capacité parce que cette attraction va devenir l'attraction la plus importante du parc. Hein. Une fois que les gens sont embarqués, ils vont continuer par là, prendre une courbe de 90 degrés, prendre le lift incliné jusqu'à une hauteur de 18 mètres à peu près. À la fin du lift incliné, il y a un toboggan à l'eau d'à peu près 100 mètres longueur. Il y a un premier splash dans un deuxième bassin. Et après, le deuxième bassin, les gens entrent dans un deuxième lift, mais vertical. Un lift vertical qui tourne en même temps, donc jusqu'à une hauteur de 19 mètres. Ce lift vertical est unique au monde, ça n'existe nulle part. Hein. Donc, une fois que vous êtes sur une hauteur de 18 mètres, vous faites un deuxième toboggan dans l'eau, aussi à peu près 120 mètres de longueur. Il y a un petit splash dans un deuxième bassin. Excusez-moi, vous faites un splash dans un grand half-pipe, et le grand half-pipe que vous avez vu déjà à l'extérieur, le grand half-pipe, c'est unique au monde aussi. C'est la première attraction au monde, pas seulement en Belgique, pas seulement en Europe, mais au monde, la première attraction avec un grand half-pipe où tu sors avec un bateau, pas avec 8 personnes.
Donc après, vous faites vous basculez un peu. Après, vous sortez du half-pipe. Vous faites un petit tour jusqu'à ici. Donc, de nouveau, vous entrez dans la station. Mais ce n'est pas seulement la station. Les derniers 5 rouleaux que vous voyez, là, le bateau va s'arrêter. Les portes vont se fermer. Et le bateau va tomber 5 mètres dans terre. Donc, on a un trou de presque 8 mètres même dans la terre. Et donc là, on fait une chute et un bungee. Unique au monde, le troisième élément unique dans le monde. Donc c'est très spécial. C'est une puissance de plus que 500 kW en électrique pour pouvoir faire cet effet avec un bateau rempli avec 8 personnes. Et après ce event assez spécial, vous sortez par ici. De aanplant, de ganse bomen, de ondergrond, het nestsysteem, het irrigatiesysteem voor de planten en voor de bomen. Dat is nog een keer. Bon les amis, malgré la pluie, on a pu découvrir la nouvelle zone et la toute nouvelle attraction de Belleville Park 2024. Alors c'était plutôt cool, alors malgré le temps, on a réussi quand même à faire pas mal de tours. Alors moi ce qui me fait marrer, c'est qu'ils nous ont donné des chaussettes blanches pour éviter d'en mettre partout sur nos chaussures. Donc voilà, c'est plutôt cool de leur part d'avoir fait ça. On a eu la chance de pouvoir également découvrir les noms des nouvelles attractions de la nouvelle zone. Donc voilà, donc la nouvelle zone va s'appeler Mundo Amazonia et la nouvelle attraction Amazonia. Alors la nouvelle attraction, elle a l'air incroyable. Donc le tour va durer en tout 6 minutes. Donc on va commencer par entrer dans la zone d'attente. Après la bouée va monter au niveau de l'ascenseur, va monter au lift. Ensuite elle fait un petit parcours pour redescendre. Ensuite elle remonte à l'ascenseur et elle arrive au niveau du upline à la fin pour ensuite arriver jusqu'à la zone d'attente. Mais après à la zone d'attente, en fait il y a un ascenseur et on descend littéralement de 5 mètres. Alors ça fait penser un petit peu au concept du Futuroscope avec Aventure Mars, et ça peut être un bel effet. Alors dans cette zone les amis, vous y retrouverez un kiddie coaster, une mini bûche,
un restaurant, une boutique, un bloc sanitaire, mais vous aurez également la grosse et la nouvelle attraction 2024. Alors la zone, elle est quand même assez grande, assez vaste, et j'avais peur que ça soit un petit peu trop collé, et en fait, non, on a carrément une belle zone et une zone assez étendue pour pas se marcher dessus. Et ça, c'est vachement bien. Mais en vrai, ça a l'air incroyable, regardez la hauteur. Hop, ça sera mieux sans le parapluie. C'est quand même, c'est vachement haut et ça va être, il va avoir un rendu quand même assez incroyable. En plus, je pense qu'au niveau des barrières de sécurité, on sera très proche au niveau des splatchs. Donc c'est plutôt bien. Sur le papier, c'est excellent. Après, à voir en fonctionnement, mais ça a l'air, franchement, ça a l'air incroyable. Bravo Bellworm, c'est une belle zone, c'est des belles attractions. Bon les amis, après l'effort, le réconfort. Petite soupe au potiron et des petits sandwichs bien sûr. Alors c'est plutôt bon. On a reçu également dans un sac le pressbook de la nouvelle zone et de la nouvelle attraction. Donc encore une fois, merci au parc de nous avoir invités. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors je remercie le parc Bellworm de m'avoir invité à cette press event. Ça nous fait vraiment plaisir, ça nous a permis de se projeter un peu dans la nouvelle attraction. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça nous fait plaisir et ça nous aide à continuer. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Ciao !